Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on vient de se quitter un instant dans le dernier vlog. On se retrouve tout de suite pour le prochain vlog. On est toujours accompagné de Fab. On a un escalator, donc voilà, on a pas... toujours là, mais salut à ceux que j'ai pas vu. Voilà. On va faire tout de suite l'attraction Studio Tour. Donc c'est un peu comme notre tram tour, mais avec des films bah forcément peut-être un peu plus cultes, j'en sais rien. On a le look ou pas? Donc on va faire un espèce de pseudo tram tour qui dure une heure. Voilà, une heure. Non, on va parler, passer dans plein de scènes de films et tout, ça va être trop bien dans les studios, ça va être terrible. Voilà. Speaking of big names in Hollywood, I need to introduce my co-host, Mr. Aaron. Oh, Mr. Lemon. The strength is... So it's not exactly New York, but a lot of times when you see it, look different from one another. It's just a wide variety. En gros, là, il explique qu'on est à New York. Voilà, c'est New York qui a été représenté dans cette partie-là. Voilà, du coup vous avez vu le truc sur King Kong de Peter Jackson, c'était terrible, c'était de la 3D, bon, c'est pour ça qu'il fallait mettre les lunettes, comme vous avez vu là, et c'était vraiment super cool, c'est-à-dire que la nacelle elle bougeait, il y avait de tous les côtés, c'était pas les mêmes images partout, enfin, c'était terrible. Hey guys, don't make direct eye contact. So you don't look like one to all the static sets. And the ones are the most spectacular. Still airplane, it costs $60,000 to get it down the line. We are about 10 minutes away from the end of the tour. Remember if you need my assistance. Put suit on, man. It's cheap. Somebody out there really. On vient de sortir de Studio Tour, honnêtement c'est une super expérience, c'est vraiment trop cool. On est un peu déçu parce que bah forcément on n'a pas tout vu parce que bah il n'y avait pas. Surprend, on n'est pas passé par Story Allen avec Desperados Wife, on n'est pas également passé par la rue de Retour vers le futur et ça c'est bien dommage parce que c'est vraiment un film qu'on aime bien. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'on savait qu'il y avait et qu'on n'a pas pu voir.
Maintenant il y avait ça, mais après c'était super bien d'avoir vu Les Dents de la Mer, Psychose, ah ouais non mais c'est génial. Puis les animations que je vous ai montrées en 3D, elles sont super bien faites, c'est impressionnant. Fast and Furious ou encore King Kong, franchement c'est top top top. Donc si vous passez par là, évidemment je vous conseille de faire cette attraction, c'est une obligation, vous devez la faire, surtout si vous avez des Desperados Wave, donc voilà. Donc là on va continuer notre chemin, direction. Alors soit on va aller refaire un petit tour à Harry Potter, soit ou autant qu'on fasse d'abord ce qu'on n'a pas fait en vrai. Mais les Simpsons 55 minutes. Un peu long pour les Simpsons. Hein. Genre on va le faire, mais pas maintenant, on reste jusqu'à 23h, de toute façon on a le temps. Donc clairement là il est que. Il y a 35 minutes pour les mignons. 13h58, mais 35 minutes pour les. On peut aller faire les mignons, on peut aller voir, on n'a pas vu cette zone encore. Il faut qu'on aille manger, on n'a pas mangé. Oh lolo, on a encore trop de trucs à faire. Manger, 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 banana. Ah il y aura peut-être des bananas. On va aller voir, on va aller faire. Yes, he is. Ah, désolé. Ah bah désolé. Ah non, désolé. Sorry, sorry. Yes, this is lovely wife here. Lovely wife. Thank you so much. C'est horrible parce que j'ai vraiment pas l'automatisme de leur parler en anglais. Au personnage là, comme vous avez vu avec Homer et Marge, je leur disais désolé, désolé. Je parlais français, ça me perturbe, c'est horrible, je suis pas habitué. Bonjour. Moi je suis gentil. Avec ta... Thank you. Parfait. Bye. Vous l'aurez, je pense, compris, on va tester l'attraction de Simpson à la Krusty Land, je crois. Donc, impatient de voir ça, c'est de la 3D. On va voir si c'est de la bonne 3D ou non. Curieux, curieux. Ouais, bien sûr qu'elle sera bien cette 3D. Mais lui, il connaît déjà à peu près comment ça se passe. Moi, je sais pas du tout. Donc, la grosse surprise, quoi. On sort de l'attraction Les Simpsons et honnêtement, c'est surprenant. Vraiment surprenant. On ne s'attendait absolument pas à. Enfin, on s'attendait à ça, mais pas aussi grand. Donc franchement, c'est un super grand... Ouais, c'est Madagascar. Il y a un écran géant et c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Et là, il y a un des personnages de Madagascar. Donc là, on va aller voir. On n'a pas encore fait Les Mignons. On n'a pas encore fait également The Walking Dead. Donc là, on fait un tour dans cette partie-là qu'on a toujours pas visité, en fait. Funland. Je sais pas. Ah, c'est Les Mignons, ça, oui. Super Funland. Funland, c'est Les Mignons. C'est ça. Donc voilà, ah regarde, il y a une rue parisienne, atelier des fleurs et tout. Oh, ça y est, on est en France. Nous sommes en France. C'est marrant, c'est marrant. Bon, et on n'a pas encore mangé, faut manger. On a un peu faim quand même. Et là, il y a, par contre, Les Mignons, je crois qu'il y avait 55 minutes de queue. Alors tout à l'heure, il y avait écrit seulement 5 minutes, donc on est un peu dégoûté. Waouh, c'est cool. Waouh, c'est balèze quand même. Essaye-nous ça. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Banana. 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 Ça va très bien, merci. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. À toi du coup. Bonjour. How are you today? Fine. Bon.
Oui. Hey guys, our lines for photos. We're gonna be right back. Don't be good, please. Thank you. Hey guys. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose dans l'attraction The Walking Dead. Honnêtement, au début j'étais derrière des gens donc ça allait. Quand on m'a mis tout devant, je me sentais pas hier mort. On regarde à droite, à gauche, on est prudent, enfin bref. Là on est sorti et du coup il y avait Scooby-Doo. Nous on te suit partout, tu vas résoudre ce mystère. C'est trop bien Scooby-Doo. Tellement mon enfance quoi, j'adore. Donc voilà, donc là, mets la première poche, première poche. Son enfance, genre comme s'il avait 40 ans quoi. Non mais si, parce que je regarde plus trop ça, Scooby-Doo. Avant je regardais vraiment tout le temps à la télé dès que je me levais tôt et tout. Et là c'est trop bien parce qu'il y a tout le monde, il y a toute la clique et tout. And who are you? Are we on TV? Bon du coup on mange grave tard à 17h et lui il a pris un dog. J'avoue ce que j'ai pris c'est balèze. Je sais que c'est bon parce que j'avais déjà mangé ça à Tokyo, c'est de la dinde. Donc voilà. Bon appétit. Ça décoiffe. Premier coaster, ça décoiffe. Ah non, on a fait la momie tout à l'heure. All the fun stuff in the store, fail to buy a unicorn and give her a toilet brush. If you succeed, it's like you're a minion already. However, in the event of a dinner party, burritos cannot be used to hold cheese and or jalapeno dip. Il y avait écrit 50 minutes pendant toute la journée, là on vient d'arriver, finalement il y avait seulement 20-25 minutes. Donc c'est cool, on va pouvoir faire l'attraction des mignons avant de partir. Thank you.
Et bien les amis, ça y est, on sort enfin de Universal. Donc on sort à 19h. Je vous ai fait un petit tour des boutiques avec mon téléphone, c'est pas la même qualité. Et également on a réussi à faire l'attraction des mignons, donc 25 minutes au lieu de finalement 1h, donc c'est super cool. On va vous faire une vidéo avec Fab sur ce qu'on a pensé, sur des petites astuces, des petits trucs à savoir un peu à droite à gauche avant d'y aller. Comme ça au moins vous serez informé et ça sera cool. Là on va faire un petit tour dans le village et puis on va continuer. Bien ça y est, on a fini notre première journée, notre première vraie journée à LA, avec cette journée à Universal. Bon, c'est plutôt à Hollywood qu'on était. Franchement, c'était le feu, c'était terrible. Qu'est-ce qu'il y a pas de chambre comme ça? J'ai dit une bêtise? J'ai pas dit de bêtise? J'ai rien dit, c'était très bien. Très bien. Du coup, c'était super. On vous fera une vidéo sur ce qui est astuces, enfin conseils qu'on peut vous donner, les meilleures attractions qu'on a préférées, celles qu'on a moins aimées, celles qu'on vous conseille de faire dans l'ordre. Enfin bref, voilà, on vous donnera des petits conseils, des petits trucs à savoir si vous avez prévu d'aller à Universal. Est-ce qu'on vous conseille également de le faire, oui ou non? Sur ce, nous on va rentrer, on va aller se doucher, etc. On va peut-être manger un truc aussi avant de dormir et voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ah, et surtout que tout le monde aura de rêver, alors pourquoi pas vous ?